Angie, va ouvrir. Je suis dans la salle de bain. Il est 7h. 7h du matin, mon Dieu. Quoi? Êtes-vous Patrick Kenzie? Oui. Béa et Lionel, mes crédits. Notre nièce a été kidnappée il y a 3 jours. Je vous en prie, entrez. Merci. Entrez, je tiens à m'excuser. On a eu des petits ennuis avec les enfants du quartier. Ils viennent sonner à la porte tôt le matin et ils partent en courant, alors c'est pour ça que j'ai crié. Ah, oh, on peut revenir plus tard. Non, non, je vous en prie, mettez-vous à l'aise. Désolé pour le désordre, on a... Oh. J'ai travaillé tard hier soir sur un dossier. On a plusieurs dossiers en cours, alors j'ai dû travailler assez tard hier soir et... Je vous en prie, asseyez-vous. Mm-hmm. Mon associée sera prête dans 1 minute, elle est dans l'autre pièce. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Connaissez-vous des gens du quartier qui refusent de parler à la police? Oui, quelques-uns. On veut vous engager pour intensifier l'enquête sur Amanda. Vraiment? Vous savez, dans l'affaire John Bennett Ramsey, la famille a engagé des enquêteurs. Oui, est-ce que la police est d'accord pour que vous engagiez des privés? La police doit d'abord s'occuper de trouver ma nièce. Bonjour, je suis Angie Gennaro, je travaille avec Patrick. Bonjour, Béa, mes crédits, voici mon mari, Lionel. Comment allez-vous? Ils veulent nous engager pour intensifier l'enquête en cours. Ils devraient consulter des enquêteurs spécialisés? Quoi? Des... J'en sais rien, on pourrait les écouter, non, Angie? Comment, vous n'êtes pas spécialiste en personnes disparues? Ah oui, c'est ce que votre annonce dit dans le journal. Oui, on est spécialiste en personnes disparues. Je suis désolé, elle, je crois que ce qu'Angie veut dire, c'est que, pour être honnête avec vous, jusqu'à maintenant, notre expérience est plutôt limitée. Enfin, trouver... des personnes disparues qui étaient disparues à cause d'un arrêt de paiement sur leur jet ski et qui fuyaient au New York. Tous les officiers de police de cet état recherchent votre nièce en ce moment. Bienvenue dans ma chambre. C'est là où il se passe tellement de choses. Et comme tu sais, par tellement de choses, je vais dire rien. Tu veux sortir avec moi? Quoi? Eh bien, ça veut dire ce que tu veux devenir, ma petite amie. Brandon, il y a quelques heures à peine, tu m'as avoué que t'étais 100% gay. Oui, mais tu as dit qu'il valait mieux que je fasse semblant d'être hétéro, alors. Oui, mais je voulais pas dire avec moi. Enfin, t'es un gentil garçon et tout, mais tu n'es pas vraiment mon type. Toi non plus, t'es pas vraiment mon type. Oui, ça je le sais, j'ai un V là où tu préférais un P. Tu veux coucher avec moi ou pas? Oh, Brandon, ça alors, waouh, t'es complètement à côté de la plaque. C'est pas ce que je t'ai dit du tout. Non, je sais ce que t'as dit. T'as dit qu'il fallait que j'aie l'air d'être hétéro jusqu'à ce que je sorte de cette école de merde et que je vive comme je veux. Oui, j'ai compris. Et tu sais que j'ai jamais couché avec un gars du collège, ça aussi, tu l'as compris. J'ai juste dit à tout le monde que je l'avais fait. Non, en fait, j'ai dit à une personne que je l'avais fait. Tu sais comment ça se passe, c'est comme une traînée de poudre. Alors, t'es en train de dire que je dois pas vraiment coucher avec une fille. Faut juste que je fasse croire que j'ai fait l'amour avec une fille. Oui, oui. Oh non. Quoi? Oh non, 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 non. Non, non. Juste. Non, 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 juste... pas question. Pourquoi? Pas question. Pourquoi? S'il te plaît, s'il te plaît. Non, non, non. C'est hors de question. Ne dis pas non. Ne dis pas non. Ça nous rendrait service à tous les deux. Non. Tu veux continuer à avoir cette apparence de fille facile, et moi je veux plus être le bouc émissaire de l'école, c'est le meilleur moyen pour nous deux. Comment tu sais que je veux qu'on pense à moi comme à une fille facile? Parce qu'au moins comme ça on pense à toi. Allez, juste une fois, faisons comme si je t'avais baisé. Non mais t'es complètement cinglé, un point que c'en est même inquiétant. On n'est pas obligé de dire qu'on a baisé, on pourrait dire n'importe quoi, par exemple, on pourrait prétendre que tu m'as fait une turlute. Arrête, je sais pas du tout de quoi tu parles. Ça c'est parce que t'es vierge. D'accord, tu sais quoi, faire ça, ça servira. Donc, est-ce que tu aimes le coke? Mais j'aime l'idée du coke plus que la réalité du coke. Oh, ils vendent des doigts de poulet. Oh, ça m'excite comme un fou, les doigts de poulet. Je vais faire... J'ai l'impression que ça doit pas très bien marcher avec les filles à l'école, hein, Oggy? Oh non, je suis même amie avec l'infirmière de l'école. Elle est divorcée. Donc, Oggy, tu as une très jolie cape. Est-ce que t'es un super-héros ou un truc comme ça? Ouais, j'aimerais. Non, ça fait une partie de mon attirail de combat pour l'air. Qu'est-ce que c'est que ça, l'air? C'est un univers fantastique où tout est possible. Une minute, on peut se battre avec un elfe, et la minute d'après, on peut se battre contre un troll qui ne veut rien de plus que vous voler votre or et vous laisser sans un sou. Ça a l'air gay. Non, non, y a des filles aussi. Une fille, ça peut être gay.
Si par gay, vous voulez dire la définition en vieux français de drôle, agréable et insouciant, alors oui, c'est extrêmement gay. Je crois qu'il pensait à l'autre définition. Je sais, mais pour comprendre, il faut vraiment essayer soi-même. Ok. Comme un grand homme a déjà dit, vous ne perdez rien pour m'attendre. You're running, running, running for more. You're running, 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 running,